Jimmy n'a pas apprécié que j'épargne Barnum. J'espère qu'il valait le prix que j'ai payé. Après Ellsworth, Washington et moi sommes allés au QG de la GBA à la Nouvelle-Orléans. C'est là que j'ai rencontré tout le monde. Tout d'abord, Émile Dufresne, le grand patron. Je l'avais déjà vu en Islande. Puis son lieutenant, Carson Moss. On n'est pas devenus de grands amis. Celle qui était chargée de manipuler l'arme était Enrica Villablanca. Elle n'était guère plus âgée que ma fille. Enfin, BJ Sykes, le technicien chargé des systèmes de sécurité. Je n'ai pas été présenté à Cole Yeager. Dufresne le soupçonnait de chercher à prendre le contrôle de la GBA. Il m'a donc envoyé chercher des informations sur Yeager, espérant qu'il chercherait à faire basculer le nouveau de son côté. En me rendant chez Cole Yeager, j'ai eu l'occasion de me glisser dans la zone interdite. Je n'ai pas hésité. Lambert répondait. Sam, où en êtes-vous ? Je suis dans la zone interdite. J'ai réussi à m'y infiltrer en faisant une course pour Émile. Quoi de neuf chez vous ? Ça nous a bien aidé que vous laissiez Barnum en vie. Bien joué. J'ai dissimulé votre équipement. Vous l'avez récupéré ? Oui, j'ai tout. Ça n'a pas été facile de le faire entrer. Et maintenant ? Renseignement. On vous surveille depuis l'extérieur, mais les brouilleurs de la GBA nous empêchent d'entendre. Vous avez peut-être remarqué certains problèmes avec votre équipement. Réduisez le courant de leur système de brouillage. Les plans indiquent que le complexe a été câblé en plusieurs fois, et chaque zone est maintenant régulée par son propre compteur électrique. Occupez-vous des quatre compteurs. Il doit y en avoir un sur le toit, un près de l'entrée, un dans l'entrepôt et un sur les quais. Leur localisation est signalée sur la mini-carte. Autre chose ? Oui. Si vous êtes repéré ou qu'ils remarquent une défaillance de leur système de brouillage, ils vous soupçonneront, car vous êtes le nouveau. Alors brouillez les pistes et amenez les soupçons sur quelqu'un d'autre. Émile a déjà des doutes au sujet d'un de ses hommes, Cole Yeager. Dans ce cas, Yeager pourrait nous être utile. Envoyez-moi ce que vous savez, je vais y réfléchir. Lambert, terminé. Curieux. Rien. Mais ça mange pas de pain de vérifier. Thank you.
quelque chose là-bas. Voilà de quoi mettre à mal Cole Yeager. Apparemment, il veut prendre le contrôle. Si je donne ça à Emile, Yeager est condamné. Mais si je donne ça à Lambert, il pourra peut-être faire sortir Yeager pour le faire parler. Merci du renseignement, Sam. On s'occupe de Yeager. Il disparaîtra avant que Dufresne ne mette la main sur lui. C'est assez sur Enrique. Je pense que ça suffit pour Sykes.
Il est vraiment sexy. Ouais. Mais, tu sais que je connais ça. Faudrait un animal. Et puis de toute façon, je crois pas que tu sois son genre de mec. Je crois pas que ce genre existe. Faut que j'ouvre l'œil.
Personne ne m'écoute jamais. Pas bon, hein? Je lui avais dit pour Jaeger. Résultat? Rien. Personne ne veut m'écouter. Y a quelqu'un ?
T'entends ça? Ouais, ça pourrait être n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait ça? Tu ne vas pas crier, n'est-ce pas? Non. Bien. Et te mettre à table, ça te dirait? J'ai pas très faim. Même pas faim du tout. Te fous pas de moi. Je peux vous parler d'ordinateur, de serveur, mais tout ça est sous haute surveillance. Dans les appartements d'Emile, accès impossible. Connais pas ce mot-là. Vous ne pourrez pas entrer, personne ne le peut. Quelqu'un a touché à ces caméras? Mission accomplie, Lambert. J'ai eu les fusibles. Bien. Passons à la suite. Faites vite. Je dois y retourner avant qu'il ne me voie ici. Je sais, mais il faut faire les choses convenablement. C'est important. Que dois-je faire? Trouvez leur serveur. Il doit être au deuxième étage du complexe. Ouvrez une connexion vers Fort Meade. Nous fouillerons dans leur système pour tenter d'y découvrir tout ce que nous pouvons. J'y vais.
est OK. Toi qui as ouvert ça ? Pourquoi je l'aurais ouvert ? Ok, j'ai compris. Reste calme et ouvre l'œil, d'accord ? Rien que des ombres et des fantômes. Ici Émile, vous n'êtes pas dans votre chambre. Contactez-moi immédiatement et dites-moi où vous vous trouvez. Sinon, j'envisagerai le pire et je prendrai les mesures qui s'imposent. Retournez dans la zone publique avant que votre absence soit remarquée. Thank you.
Je n'ai jamais su ce qui est arrivé à Jaeger. Lambert l'a récupéré. Il est toujours détenu. Dufresne l'a recherché, mais sans conviction. Mais revenons à vous. Votre première mission à la GBA fut de cambrioler un train à New York ? Un train privé, utilisé par une banque pour transférer discrètement des fonds. Saviez-vous à quoi devait servir l'argent ? Non, mais Emile ne voulait pas de témoins. Il voulait que je tue tous ceux que je croiserais. Lambert exigeait l'inverse. Pas de victimes. Qui vous a fourni l'équipement pour le vol ? Lambert jouait les trafiquants d'armes. Il a vendu de l'équipement à Dufresne pour que j'aie accès à mon matériel habituel. C'était un risque énorme. Trop gros.